Salut à tout le monde, dans cette petite vidéo on va se retrouver parce que j'ai reçu un colis. Donc voilà, c'est... Je sais pas si on va bien voir, donc là, il y a une usine et une ouvrière Tapinoma SP. Et ici on a une colonie de Lassus et Marginatus, donc on voit bien qu'elle est rouge, orange vers le thorax. Donc je remercie mon pote qui me les a envoyés, il me les a fait gratuites. Donc normalement il y avait deux gines dans le truc, mais malheureusement il y en a une qui est morte, donc c'est pas grave, hein, je les ai pas payées, donc bon, c'est pas être quand même quoi. Normalement elle aurait dû arriver plus vite, c'est à cause de la poste, ils ont fait de la merde, donc la poste, ils savaient qu'à se dépêcher. Bref, on va les mettre dans un petit air de chasse, donc je vais poser le tube et je vous retrouve juste après. Donc voilà mon air de chasse, donc là... Il y a des fourmis qui ont commencé à chasser un grillon que j'ai tué. Là, il y a encore deux ouvrières. La reine, elle est dans le tube. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je mets la reine dans le tube. Et tous les ouvrières vont y aller obligatoirement pour la protéger. Donc là, je vais passer à autre chose. Donc, c'est plus sur les fourmis. Donc, je me suis acheté de la lecture. Donc, voilà. Un livre sur les serpents, les autres reptiles, les amphibiens. Donc... plus de 430 espèces à connaître dans ce super livre. J'ai feuilleté les pages, c'était vraiment, il y a vraiment des belles photos magnifiques, donc avec un Amoria viridis en couverture. Et ici donc un livre de Bernard Werber, donc sur les fourmis. En fait c'est on va appeler ça un roman scientifique. Donc ça parle vraiment de ce que les, enfin des colonies de fourmis dans la nature. Mais en même temps, c'est une sorte de roman. Enfin, c'est vraiment cool. Donc, mis à part ça en lecture, j'en avais déjà beaucoup avant. Donc, j'ai toute cette pile de livres là. Donc, vous voyez, il faut toujours apprendre un peu avant d'acheter des animaux. Donc, par exemple, livre de Karim Dawes sur le Python Regius. Premier contact pour les terrariums. Donc, après tout ça, c'est autre chose sur tous les animaux en général. Il y a tous les reptiles dedans, et sur les araignées, les scorpions, les poissons, un peu de tout quoi. Et donc aussi, normalement, j'ai deux livres qui sont ici. Donc voilà, cela il parle de reptiles aussi, donc avec de belles couvertures. Une Dendrobatus le Comelas et un espèce de varan, je crois. Donc voilà. Ça c'est des livres que je vous conseille, donc ça c'est une collection, il doit y avoir une trentaine de livres que j'ai, donc j'ai pas tout sorti. Bref. Donc voilà, c'était le livre que je voulais vous faire voir. Donc après, quand le terrain de mon iguane, donc ici qui est moche, sera fini, je pense le réutiliser pour faire vraiment quelque chose de très très joli, avec fontaine, vraie plante, bassin avec poisson justement. Et voir pour mettre justement des grenouilles, donc peut-être Dendrobatus azureus et le Comelas. Et donc elles occuperont la partie basse du terrarium. Et vu que le terrarium est assez haut, donc partie haute, je pense mettre des Rhyopa fernandi ou autres petits lézards qui sont. Enfin qui mangeront pas les grenouilles quoi, donc faut que je me renseigne bien. Voilà, donc après on va passer à mes serpents, donc on va voir un petit peu ce qui a changé. Donc voilà, là on voit donc une grosse bosse ici, donc mon Acropeltis et mon Elaf sont passés à du blanchon, donc c'est passé nickel. Ça fait quand même une bosse assez importante, mais ils ont commencé à digérer, hier c'était un peu plus gros que ça. Donc là on le voit ici, donc, il est assez peureux, donc je vais pas l'embêter trop longtemps. Donc lui il mue, mais il l'a pris quand même. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Donc une vidéo arrivera sur le nourrissage la semaine prochaine, donc le week-end prochain. Je sais pas si je vais être présent beaucoup cette semaine. J'ai du boulot avec l'histoire des arts et toutes ces conneries là, enfin, ça me saoule. Bref, je vais continuer de réviser ces conneries. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut.